C'est encore un drame qui braque les projecteurs sur la République centrafricaine. 6 travailleurs humanitaires ont été assassinés dimanche dans le nord du pays. Les faits n'ont été confirmés qu'hier et on ne sait toujours pas l'identité des agresseurs. Un envoyé de l'UNICEF, 2 fonctionnaires du ministère de l'Éducation et 3 membres d'une ONG se rendaient à Markunda, à la frontière avec le Tchad, où s'affrontent 2 groupes armés rivaux. Ils ont été tués d'une balle dans la tête et le véhicule de l'UNICEF a été brûlé. Le fonds de l'ONU pour l'enfance s'est dit triste et choqué par cet acte brutal et insensé. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde, dans lequel l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire. Cela complique la tâche des humanitaires. 13 d'entre eux ont été tués l'an dernier.